Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du challenge 7 enfants des enfants parfaits. Lilith est en très grande forme et elle a une très très belle forme ici puisqu'elle est enceinte de John, notre 8e enfant. Et bien sûr, il est encore dans le four donc on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. On verra bien. Nous les retrouvons donc tous en train de dormir tranquillement et c'est cool parce que c'est calme. Voilà, donc en fait Lilith, si tu pouvais partir ce serait cool. Ou est-ce que tu vas nous faire un ventre d'un seul coup, ou tu vas nous accoucher à la maison, c'est pas trop quoi. Bon, après c'est comme tu veux ma belle hein. On va pas te forcer hein. Alors Paul s'est réveillé. Ben non, Paul, tu déconnes, tu vas profiter pour les toilettes. Oui, Lilith est encore là, hein. Il est quasiment 6h du matin. C'est la logique même d'être encore debout devant le lit depuis plusieurs heures. C'est normal. Après, c'est une vampire, elle a ses propres tripes. Et voilà, on va pas lui dire grand-chose. Qu'est-ce qu'elle a? Oh punaise, le réveil synchro. Oula, alors attention, on va gérer. La petite Louise, elle a besoin de pas mal de choses. Tu vas donc prendre une douche et aller aux toilettes. Voilà. D'accord. Après, tu pourras jouer avec émotion si tu veux avec ton machin. Paul, c'est bon. Lui, on a géré. Aurélie, elle pue aussi la chaussette. Donc elle va aller ici seulement. Si tu veux... Ah non, tu peux que utiliser, tu peux pas nettoyer. D'accord. Nicolas, pipi. Urgent. Ah bah elle est en train de dégueuler. Bah t'iras faire pipi là où elle dégueule. Ça va être super propre. Et Cécile. Oh bah Cécile, elle a décidé de faire sa life. Elle a un peu faim, je crois. Cécile. Qui c'est qui pourrait mettre la table? Charlotte, Charlotte, hein. Paul. Ouais. Charlotte, elle est pas encore levée, hein. Contrôle des émotions et manières, c'est pas GG. Elle doit aller aux toilettes. D'accord. Bon, on va aller faire un peu courir, Cécile. Va manger si tu veux, ouais. On va prendre des céréales. Charlotte, la voilà levée. Charlotte, tu vas aller aux toilettes. Bon, alors tout le monde a pris un... Oh là là! Il y en a un qui dit des mots. Oh là là, saloperie. Tiens, tu sais quoi? Tu vas jouer au docteur, toi. Lui ça va, il est plutôt pas mal en termes d'éducation. Charlotte. Mais Nicolas, tu devais pas aller aux toilettes? En même temps j'ai tellement peu de... Faudrait que je fasse des toilettes vraiment fermées. C'est pas grave, tu viens là Nicolas. On te fera aller aux toilettes dès que la... Bah, logiquement tu peux y aller maintenant hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah bah non. Bah d'accord. Mais tu vois rien, là, Coco. Tu vois rien, tu vois. Il se passe rien. Oh là là. Elle va aux toilettes, c'est bon. Après, elle va aller manger un truc. Papa, Papa, lève-toi, là. Ça va plus. Tu vas, aller aux toilettes, tu vas prendre une douche. Va faire un bisou à Lilith aussi. Et à tous les gosses qui vont aller à l'école. Bon alors, j'ai géré. Est-ce que j'ai bien géré ou pas? Elle est en train de jouer. Super, mais il faudrait que tu manges. Toi, t'es bien. Toi, t'as un peu faim. Non, mais tu vas arrêter de... Tu vas aller manger. Charlotte. Ouais, mais Charlotte, tu vas mettre la table. Allez. Ça te fera faire les pieds. Aurélie, elle est bien. Nicolas, il va se cacher. Ok, bon. On n'est pas trop trop mal, je dirais. Il y a eu pire, il y a eu mieux. John, ça va pas trop. Ouais, si, il a fait un bisou. Mais t'as pas été prendre ta douche. Discute pas trop avec Lilith. Elle est mal à l'aise, bah, elle doit avoir faim. Et puis en plus, ça va se mettre à cramer, donc... Va prendre ta douche, John. Ouais, elle est fatiguée, Lilith. Bon.
plus le bon son là aujourd'hui. Là, elle aimait les trucs, c'est bien. On va te cacher, t'as raison, toi aussi. Bon. Ah, mais t'es chiante aussi, toi. C'est pas grave, voyons. On va te donner des paroles d'encouragement. Vous êtes frères, hein. Vous êtes pas... Vas-y, va manger un truc maintenant, Aurélie, parce que... Louise, parce que là, ça va pas aller. Lui fait ses devoirs maintenant. Ok! On est mardi, quasiment l'heure de l'école. Ils ont pas fait leurs devoirs? Oh, tu vas faire du travail supplémentaire. Oh, mais mange. Bon, bah tant pis. Ah, ils ont pas fait leurs devoirs, mais j'ai honte, là. Oh là là! Oh non, c'est bon, va à l'école. Oh là 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 là. J'ai fait nawak. Lui, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler depuis la maison. Il a faim. Bravo Charlotte, bravo Philippe, bravo Cécile, bravo Nicolas, bravo Aurélie. Ouh, on va faire une frittata aux épinards. Paul, bravo Paul. Allez. Et elle? Non mais c'est bon, va à l'école. Oh, puisque c'est vrai, on avait fait le... en masse les projets scolaires. Et après, bah... Ils n'ont pas à faire les minimum. Ils vont réviser. Ils vont réviser. Elle, tu vas te faire des amis. Toi, tu vas te faire des amis parce que ça va pas. Toi, tu vas te faire des amis parce que ça va pas. Et toi, tu vas bien, donc tu révises. Louise, bravo Louise. Voilà. Et Louise, elle va pas trop bien, donc elle va se faire des amis. J'ai tout un programme. Lily, t'es partie? Faudrait pas qu'elle meure, hein, quand même. Ah non, elle est là! J'ai cru voir la voir partir, c'est pour ça. Bon. Au moins. Si elle reste à la maison, elle peut, hein, elle a le droit. Ouais, elle est partie, Lilith. Il était temps à 9h du mat, quand même. Bon, mon petit John, tu manges, tu le fais bien, et après, on devra travailler. Tu dois répondre aux mails et devenir concentré. Voilà, ta mission du jour. C'est pas grand-chose, hein, à mon avis. Ça va aller vite, hein. Ça va être facile à faire. Alors, mais non, on dirait une. Pendant son temps libre, Nicolas a fait un dessin inapproprié et l'a montré à ses camarades. Cela a fait beaucoup rire et a perturbé le reste de la journée d'école. Nous encourageons la créativité. Prenez le dessin et punissez-le. Non. Je sais pas trop ce que c'était son dessin, mais bon. Moi, j'ai un esprit un peu pervers, donc... Interview en classe. Philippe est la star de la classe aujourd'hui et tous les élèves veulent lui poser des questions. Il se sent nerveux, mais un peu excité jusqu'à ce que quelqu'un lui demande « Comment tu fais pour n'avoir que des A ?» Doit-il tenter une réponse amusante ou se concentrer sur la vérité comme il a appris les instituteurs, faire de l'humour? Philippe ne trouve pas la réponse particulièrement amusante, mais curieusement, ses camarades de classe se tordent de rire. Waouh, quel bon public, Philippe maîtrise la situation. C'est vrai que je sais même pas s'ils ont... Alors, elle a B. Elle a l'école... Oh là là. Avion d'origami, Nicolas maîtrise enfin l'art de l'avion en papier, hâte de tester le modèle. Il a déjà fait son exercice remplaçant... Attendre la récréation. Ah oui, il est plié, oui, mais... zut, hein. Alors, elle a B. Lui, il a A. Lui, il a B. Elle, elle a A. Oh, c'est super. Elle, B. B. Et B. Eh ben, franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y en a plein qui n'ont pas fait leur devoir, quoi. C'est pas grave. Bon, alors, John, tu finis vite de faire de manger. Voilà, maintenant, tu vas t'occuper de ton boulot. Tu vas faire les réseaux sociaux et les compagnies. C'était quoi? C'était web. Tu vas répondre aux emails après. Oh punaise, volontariat musical. En cours de musique, le professeur demande un volontaire. Il regarde Louise, mais cette dernière voit bien que l'élève à côté meurt d'envie d'aller sur scène. Louise va-t-elle saisir cette opportunité ou lui envoyer l'autre l'élève? Allez, on va saisir l'opportunité. Elle fait tellement de bruit qu'elle ne remarque pas que l'instituteur lui crie d'arrêter. C'est le directeur qui sépare les cymbales. Oups, perte de performance. Bon, c'est pas grave. On est revenu avec John, il va répondre aux emails, il va ensuite refaire un petit mise à jour de son réseau social, on a 495 abonnés. Et après, il doit devenir concentré. Concentré. Normalement, il doit parcourir Simpedia. Et ça devrait être bon pour son taf, en tout cas. Et hop, 510 abonnés. Alors, mise à jour, il a maintenant 535. Oui, alors, du coup, il a répondu. Il a déjà répondu au mail, bah c'est, franchement c'est hyper rapide quoi, c'est vraiment du pognon gagné à rien faire cette carrière là, c'est plutôt pas mal. Et niveau 3, auteur de piège à clic, d'accord.
Et puis on verra bien hein, jusqu'où ça nous mène. Hein. On n'est pas trop dans le besoin, on a 2000 simflouzes. Voilà, il est devenu concentré. Et bah tu sais quoi, tu vas remettre à jour ton réseau social. Tu peux pas remettre de photos. Et puis c'est bien. Non mais et je t'ai dit quoi? Tu mets à jour. Allez, mets à jour, t'iras après nettoyer les toilettes si tu veux. On sait que tu as une passion pour le nettoyage de toilettes de tes enfants. Et je pense que je vais faire la séparation toilette ici parce que sinon ça va être chiant. Voilà, j'ai séparé les toilettes donc de la douche. J'ai fait aussi une séparation un peu ici. Normalement, ça suffit en général pour pas qu'on voit l'autre qui fait pipi et caca en même temps. Et j'ai rajouté les deux petites lampouilles là parce qu'il me semble que ça a manqué la dernière fois hein, pour des enfants, un truc comme ça. Puis voilà, ouais, j'ai rajouté deux petits tapis. Bon, rien d'extraordinaire, hein, mais voilà. Ça rendra peut-être la maison encore un peu plus fonctionnelle. Donc on croise les doigts que ça fonctionne, hein, c'est... Voilà. Alors, petit John, il est arrivé quasiment nickel en haut de ce CEJA de son niveau. Travaille dans 21 heures. Ouais. Il a déjà fini son taf quand il est midi. Tout va bien. Là, il va laver les toilettes. Il est très concentré. Le nettoyage, il aime ça. Ah, mais je pense qu'il était soigné, c'est ça? Ah oui. Ouais. Bah comme ça au moins. Monsieur, il vit dans 8 jours et les enfants, ils vivent quand d'ailleurs, je sais même pas. Dans 5. Donc on a encore un peu le temps. Oh, fais le minimum, mon petit, hein, t'as pas l'air bien. Lui, il est joueur. Pourquoi? Ah, vas-y, fais des amis. Toi, fais-toi des amis. Toi, tu vas réviser du coup. Toi, tu vas réviser aussi. Et toi, tu vas réviser. Et toi, tu te désamies. Voilà, comme ça, ils auront fait un peu tout. On verra bien ce que ça donne. Mais John s'est mis à la peinture tout seul. Ça fait longtemps quand même, hein. À la base, il devait vivre de ça. Il n'a jamais eu le temps de faire une seule toile, peut-être, ou une seule toile sur toute la durée du challenge Mont 20. Tellement il était occupé. Mais bon. Peut-être que là, on aura le temps et de se faire quelques pépettes en plus, quoi. Et voilà. Il nous a terminé une petite toile à 197 simflouzes. C'est pas énorme, hein. Bon, il va être 14h. Ouais, on va lui refaire faire une toile du coup. Une toile pop art à 100. Et on verra ce que ça donne. Et puis après, il y a les gamins qui vont rentrer. Donc là, il va y avoir de l'éducation à faire, à donner, quoi. Petite chose, je viens d'acheter à chacun un petit journal intime pour chaque gamin. Pour essayer de remonter. Du coup, on m'a dit que c'était que ça remontait. Oh là là, la pauvre. Ça remontait. Contrôle des émotions. Donc moi je pensais que c'était que à partir de l'adolescence, mais en fait non. Donc ils vont l'avoir et ils vont pouvoir écrire dedans. Ben voilà, ça va être bien quoi. Ça va être bien, toi t'es tendu, tu vas faire le minimum aussi. Allez. Toi t'es joueur. C'est bien. Ils vont bientôt rentrer, ils ont fait pas mal de rencontres. John fait sa toile et puis voilà. Et puis j'espère que ça va booster leurs compétences. Et voilà! B, B. Alors, on va faire une petite pause. On va regarder où en sont les notes de chacun. Louise a un B. Il faut qu'elle fasse ses devoirs. Philippe a un A. Ça, c'est très bien. Paul a un B. Et on va. C'est bien, on va y arriver. Charlotte a un A. C'est parfait. Aurélie a un A. Nicolas a un B et Cécile a un B. Donc nous avons 2B, 3B, 4B. Voilà, on a Louise, Paul, Nicolas et Cécile qu'il faudra faire travailler spécialement. Voilà, toi ça va pas, cocotte. Tu vas. Non, tu vas regarder la télé du coup. Tu vas regarder la télé pour te remonter. Toi, ça va, tu vas aller faire un petit pipi. Oui, tu vas faire tes devoirs, surtout, t'as raison, parce que tu les as pas fait. Toi, tu veux manger. Mais Paul, tu vas faire tes devoirs avant. Charlotte.
Charlotte, elle est aussi, il faut qu'elle se change les idées. Tu vas jouer à la poupée. Et après, ma cocotte. Où est-ce qu'elle dort, elle, déjà? Je ne sais plus où est son lit. Ah, c'est celui-là. Tu vas écrire dans ton journal intime fuminé à propos du stress. Voilà, tu vas fuminer, tu vas cacher le journal intime ensuite. Aurélie, elle a besoin de s'amuser également. Ouf, tu vas serrer Dino, tu vas jouer et tu vas lui parler réconforté. Et puis tu feras tes devoirs après. Hop. Nicolas. Nicolas, il est plutôt pas mal. Lui, il est plutôt pas mal. Et bah, tu vas faire tes devoirs, mon coco. Hop! Cécile. Oh, ils ont tous besoin de s'amuser. Tu vas jouer à la poupée. Toi aussi, t'es bien. Et ben, du coup, tu vas faire tes devoirs après. Voilà. Réussir haut la main les devoirs. J'adore. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai bien géré tout ce petit monde? Paul, il fait ses devoirs et après il a faim. Bah papa, de toute façon, il va... Dès qu'il a fini sa toile, il va... servir le déjeuner. Oh. Ragoût du campeur. Allez. Niveau 7 créativité pour Cécile. C'est énormous. Là, ils font leur devoir. Ils sont choupinous. Louise, elle regarde la télé. C'est bien. Après tout ça, tu pourras faire tes devoirs aussi, cocotte. Ouais, lui fait ses devoirs après pipi. Je revérifie, je sais, hein, je viens d'y passer, mais... Après, il a faim, très bien. Ok, Charlotte, après, elle va écrire. C'est Paul et elle qui ouais, contrôlent les émotions, c'est pas ça. Tu dors où, toi? Ouais, ça m'étonne que tu dors dans un truc rose. Mais... Ben non. C'est ton lit, ça? Je pensais que c'était un lit de fille. Tu vas écrire dans ton journal intime et tu vas le cacher. Ouais, non, non, tu vas pas le cacher, tu vas mettre dans l'inventaire. Pourquoi je fais cacher? C'est le meilleur moyen de se le faire chourer par ses frères et sœurs, alors que dans l'inventaire, personne n'ira te le voler. Voilà, les devoirs, ça va de mieux en mieux. Ils vont demander conseil toutes les 5 minutes, quoi. Il est pot de colle, phase de l'enfance. J'adore. Tu sais que tu pourras aller aux toilettes et puis prendre une douche. Ah, quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Pff, t'es chiant. Là, franchement, tu vas appeler à table aussi John comme ça. Alors, Philippe serait responsable. Niveau 8, compétence éducation pour papa John. Et puis après, tu vas vendre aussi ta toile à 301 Simflouz. Toi, c'est bon. Allez, tu vas te mettre à faire tes devoirs. Après, tu manges. On sera bien avancé. Philippe, il mange. C'est nickel. Je sais plus. Hein, il y a tellement de gamins que je sais plus. Tu vas faire du travail supplémentaire. Lui, il est à B. Hein. Non, il est déjà à A. Ah non, c'est Paul. Charlotte. Ah non. Paul. Ah bah j'en ai que deux qui sont en B. Ah non, c'est Louise. Oh là 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 là. Je m'embrouille. Il y a trop d'enfants. Il y a beaucoup trop d'enfants dans ce foyer. Contrôle des émotions. Ah, voyez, ils sont en train d'écrire dans leur truc. C'est cool. Ça remonte, parce que là, ils sont pas trop... Charlotte, les manières, c'est pas trop ça. Niveau responsabilité, j'ai l'impression que j'arrive vachement bien faire à gérer les gosses au niveau responsabilité. Mais voilà, Paul, ça remonte, c'est parfait. Par contre, il est très empathique alors que elle l'a pas trop quoi. Bon, je t'ai mis un. Je pensais que t'étais dans un... C'était une fille qui dormait là-bas et je savais pas que c'était toi, donc je t'ai mis un truc un peu trop. Peut-être un peu trop. un peu trop girly, mais c'est pas grave. Alors! Je mets sur pause parce que là, je sais plus qui a appris à dire pardon. À mon avis, c'est ceux qui ont le moins d'empathie. Alors, empathie, on est Louise.
Ouais, empathie, c'est pas. Oh là là, Charlotte, quoi. C'est une catastrophe, elle. Ouais. Alors, bah, on va faire Louise. Elle est dispo, Louise? Non, elle fait ses devoirs et après elle mange. Philippe, il fait ses devoirs. Très bien. Eh ben non, il n'y a pas besoin. Charlotte. Ouais, Charlotte. Entre le contrôle des émotions et empathie, c'est pas GG. Tac. Et tac. Bon, bah on va s'attaquer à Charlotte. Papa, il va lui apprendre à dire pardon dès qu'il pourra. C'est quoi cette musique, sérieusement? Ouais. Parce que ça fait beaucoup de choses à faire, mais. Voilà, Tu vas le mettre dans ton inventaire, cocotte, avant que tu te le fasses piquer, voilà. Tu vas manger et papa, il va commencer à t'apprendre à dire pardon. Éducation. Apprendre à dire pardon, voilà. Lilith! Ben, on préfère que tu viennes, Lilith, belle. Mais quand les enfants seront couchés, hein, pour pas les perturber, tu le sais, on te l'a déjà dit. Mais, ah non, je confonds avec Aurélie. Aurélie a fait ses devoirs. Résolution de conflit. Ah non, c'est pardon, la résolution de conflit. Oh là là, mais je m'embrouille, moi. Papa, t'as déjà fini d'apprendre à lui dire. Ah bon. Burke, c'était dégoûtant. Et difficile pour la nourriture. Oh là là, mais il y a trop de trucs. Je m'embrouille toute seule dans ce. Il fait des grimaces, tout va bien. Alors, Louise! Louise, c'est l'empathie. Louise, tu manges et après tu joues avec ton kit médecin. Voilà. Et avec ta petite machin. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Philippe, toi, c'est les manières. Tu vas pouvoir débarrasser. Oh là là, cadeau raté. J'ai eu un cadeau que je trouve nul. Sympa. J'ai envie de le changer avec un ami ou le ramener au magasin. Est-ce que je peux faire ça? Ce cadeau est pour toi. Fais preuve de gratitude. Bien sûr, donne-le à quelqu'un d'autre. D'accord, amenons-le au magasin. Ah. Effectivement, quand on a un cadeau nul. Bon, après, quand t'es un gamin, je trouve que t'as pas trop trop. Enfin, c'est bon quoi. T'es déjà gâté. Viens pas râler. Après, quand t'es plutôt adulte, j'ai envie de dire soit tu le donnes. Mais ramener au magasin, moi j'ai jamais fait quoi. Je trouve c'est un peu. Attends, en plus. Paul. Je sais déjà plus. On peut pas savoir ce qui lui manque. Paul, on va le donner à quelqu'un d'autre. Témoin de maltraitance. J'ai souvent été méchant avec un de mes amis à l'école. Je voulais l'aider, je ne savais pas quoi faire. Qu'aurais-je dû faire? Reviens et interviens, défends ton ami, reste à l'écart et console ton ami après, trouve un adulte. Bah ouais. Est-ce que j'ai fait bien? Je ne sais pas. Les manières. Oh là 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 là! Oh là là, Paul, on t'a vu dire des mots pas bien. Donc tu vas être éduqué tout de suite. Encouragé. Non. Alors, bah. Bah, on peut pas là. Il vient de dire des mots pas bien. Encourager les bonnes notes. Bah, ouais. Inciter à. Inciter à faire pipi. Non, ben je sais pas. Je l'ai vu s'énerver, mais. Vraiment que c'était Nicolas? Éducation. Je ne sais pas. Oh là 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 là! Il y a. Non, c'est quel déjà? Si, c'est Philippe. C'est Philippe. Meilleure créature du vide. J'ai eu une dispute à l'école à propos de la créature du vide la plus puissante. J'ai dit que c'était l'Articorne, mais il n'arrêtait pas de dire que c'était le Suintor. Qui a raison? Allez. Toi, t'as un souci. Discipliné, comportement récent. Sévère. Ah, voilà. Il a été méchant. Qu'est-ce que c'est que tout ce. Ça y est, ils sont engueulés. L'empathie qui monte. Voilà.
Charlotte, toi, ton contrôle des émotions, ça va pas. Alors, tu vas pas être couchée. Non, 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 non. Tu vas contrôle des émotions, c'est ton truc là. C'est ça. Tu vas écrire dans ton journal intime et tu vas jouer au kit médecin. Allez. Voilà. Oh, je vous jure, c'est compliqué. Il y en a tellement. En plus, je vous mets toutes les 2 minutes de ce que je dois faire faire. Lui, il a le contrôle des émotions aussi. Que tu peux jouer au docteur. Toi, ça va. Il faudrait peut-être augmenter les manières. Bon, il est parti se coucher. Louise, l'empathie, le contrôle des émotions. L'empathie, le contrôle des émotions. Tu vas jouer avec émotion. Louise, si je dis pas grand, elle dort là, non? Ah bah non. Oh là là! Récré solitaire, la dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi, j'ai dû rester dans mon coin. Si ça arrive de nouveau, que dois-je faire? Allez. Contrôle les émotions. Allez. C'est pas comme si c'était déjà compliqué de. Ah non, ça va, elle contrôle les émotions. Ah, j'en étais où, moi? C'est elle? Ah, alors, tu vas écrire dans ton journal intime et tu mets dans l'inventaire. Oh là là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Repas équilibré. Quelqu'un m'a dit qu'on pouvait manger de la terre, non, ça va. Vas-y, s'amusons de manger de la terre. Parce qu'on a plus de choix maintenant, mais alors voilà les choix, quoi. Si tu veux ça, on va moquer de toi. C'était Aurélie. Ouais, au niveau empathie, elle est pas GG. Non, mais t'inquiète. Empathie, empathie. Oh là là, excusez-moi, mais là, j'en peux plus. Empathie, c'est le kit médecin. Le kit médecin, il y en a un de libre ici. Et ensuite, tu vas jouer avec émotion. Pff, oh là là. Je commence à plus m'en sortir. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça devient compliqué. Il y a trop de choses. Toi, t'as deux machins dans ton inventaire. Tu peux en laisser un à quelqu'un? Ouais, il joue avec un, c'est cool. Toi, contre les émotions, empathie, c'est résolution de conflit. Alors, apprendre à dire pardon. Papa, tu vas apprendre à dire pardon à Nicolas. Nicolas, il est là. Ah non, mais. On va lui dire deux, trois trucs, et puis après, ça va être éducation. Apprendre à dire pardon. Allez! Voilà, ils sont tous en train de jouer. Ça monte un peu. J'ai l'impression que je néglige un de tous, mais je sais plus. Là, c'est bon, ça monte. Charlotte, contrôle des émotions. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Où es-tu, Charlottine? Charlottine, contrôle des émotions. Déjà, tu vas jouer ton kit médecin. Contrôle des émotions, tu vas jouer avec émotion. Tu vas écrire dans ton journal intime. Voilà, et deux fois même. Allez! Non, non, tu vas pas dormir. Oh. Lui. Contrôle des émotions, ça va pas. Et les manières. Oh là 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 là. Ouais, contrôle des émotions. Mais elle doit pisser. Ah ouais, mais moi je sais plus au bout d'un moment. Tu vas écrire dans ton journal intime. Tu vas aller prendre une douche. Et t'iras dormir. Oh, c'est trop compliqué. Toi, t'as été te coucher. Ça va, pour l'instant, t'es encore dans le bien. Elle est en train de l'écrire dans son truc, c'est très bien. Après, t'iras aux toilettes. Oh. Charlotte, ah ouais, elle doit trop aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes après. Et tu vas écrire dans ton journal intime. Aurélie, elle sait plus quoi faire là. Elle est en plan. Elle est bien. Qu'est-ce que je peux lui faire faire? Empathie et contrôle des émotions. Empathie. Ouais. Mais c'est pas ton lit, sa cocotte. Mais ils dorment tous n'importe où en fait là, j'ai l'impression. Hein. Moi je sais plus qui dort où, hein. Contrôle d'émotion et empathie. Tu vas jouer au kit docteur après. Ah, je l'avais déjà fait faire. Bon, ouais, c'est pas grave, hein, on va y arriver, on va y arriver. Toi, tu dois aller pisser de ouf. Tu vas y aller. Et au niveau éducation, Cécile, elle va se coucher. Bon, Cécile, ça va. Il y a encore quelques petites choses à travailler, mais. Lui, résolution de conflit, ça augmente parce qu'il apprend à dire pardon. Elle, c'est bon. Elle, c'est bon. Contre les émotions, elle va se mettre à écrire, c'est parfait. Ah, lui, c'est les manières.
Oui, c'est les manières. D'accord. Et en tout cas, c'est beaucoup de taf pour retenir en fait tout ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment compliqué. Et je l'ai fait écrire dans son journal intime, c'est à peine vert et les manières, c'est pas GG quoi. C'est quoi, tu vas mettre la table avant de d'aller te coucher. Ça fera tes manières. Louise, tu devais pas. Non, ça va. Elle va demander un conseil. Demander conseil. Ah bah, j'ai pas eu le temps de cliquer. Je voulais voir en même temps, comme ça j'aurais pu tricher un petit peu. Cadeau raté. Fais preuve de gratitude. Allez, les manières augmentent. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait. Les manières étaient déjà bien. L'empathie, elle baissait alors que j'avais besoin de bosser l'empathie. Tout va bien. Tu sais quoi? Tu vas aller jouer au docteur du coup. Ça n'arrête plus, les 22h, les gosses, il va falloir aller se coucher. Hein. Elle écrit encore dans son journal. John, tu finis ta toile. Et puis après, ça va. On va pouvoir enfin les envoyer dormir parce que ça n'arrête pas. C'est du boulot, c'est énormément de taf en fait. Parti se coucher, John, tranquille quoi. Non, non, mais bah, vends ta toile, allez. Tu vas ensuite mettre à jour ton réseau social, tu vas remettre une petite photo. Ouais, et après tu pourras aller te coucher. Lilith n'est pas dans le coin, on n'a pas à la faire rentrer. On sait toujours pas si elle a eu l'enfant, je pense pas. Ce sera peut-être pour le prochain épisode, mais pas pour l'instant. Et on a 585 abonnés. Ça monte, ça monte. Tout doucement, mais ça monte. Voilà, il devrait être quand même bien avoir une promotion, non, quand même. On devrait avoir 100 abonnés, on en a 500, quoi, presque 600. Voilà, bah 605. Ah bah non, papa, tu vas pas pouvoir aller tout de suite te coucher, tu vas réparer la douche. Que Charlotte a cassé, et puis tu pourras aller dormir, logiquement, on est bien. Bon, vous vous décidez, là, je sais pas laquelle heure où. Mais en fait, ils ont plus de lit à eux, hein. Vas-y, dors. Mais t'as pas besoin de ranger à chaque fois, cocotte. Oh là là. Voilà. Ils sont tous partis au lit. John, il a fini de réparer. Pour l'instant, on va laisser l'eau, enfin les flaques d'eau. Je les vois pas, je sais pas où elles sont. Et hop, c'est dodo! Donc moi, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas si vous avez des tips pour m'améliorer. Parce que là, en plus, je me perds, quoi. Il y en a vraiment trop de gosses là aujourd'hui. C'est un peu compliqué, je l'avoue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Enfants Parfaits ou d'autres choses. Je vous embrasse très fort. Allez, salut!